Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Bienvenue pour vous le signe des Gémeaux. On va regarder votre tirage de la semaine. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce qui se passe cette semaine du 10 au 16? Vous pouvez bien sûr aller regarder votre tirage du mois d'avril 2023 et les tirages sentimentaux d'avril 2023 qui sont tous sortis, terminés hier, donc n'hésitez pas à aller les voir. On va regarder ce qui se passe donc pour cette semaine pour vous les Gémeaux avec ici un oracle. Je vais prendre trois cartes d'énergie, c'est celui-ci. Si vous avez vu peut-être sur certains sites, vous verrez un peu comment sont les cartes. On va prendre trois cartes, ensuite un message de l'oracle victorien et un taroscope en croix avec le tarot égyptien. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et puis, bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux. Si vous appréciez ces guidances, n'hésitez pas de vous abonner pour le soutien. On me fait un blocage, donc je compte sur vous ainsi qu'aux anciens. Merci pour votre présence et vos gentils messages et votre soutien, justement. Vérifiez si vous êtes abonné ou pas. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours et vous avez votre guidance à la maison. Voilà. On y va pour les énergies, pour les Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, semaine du 10 au 16 avril 2023? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune Gémeaux. Semaine du 10 au 16 avril 2023. Semaine du 10 au 16 avril 2023 pour les Gémeaux. Gémeaux, 10 au 16 avril 2023. Vous faites de beaux rêves. 10 au 16 avril pour les Gémeaux. 10 au 16 avril, les Gémeaux. Vous avez envie de repos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y aura des souvenirs. Il y aura peut-être ici, je vois. Alors, je ne sais pas si c'est du vaudou là qu'on vous fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou il y a une certaine colère ou des gens qui pourraient vous en vouloir, une certaine jalousie de certaines personnes. Alors, premièrement, on a cette énergie-là, on nous dit que vous allez faire des beaux rêves, passer de bonnes nuits. Et pendant ces nuits, on va voir si ça correspond un petit peu au tirage, vous allez vous rappeler de pas mal de choses du passé. Hein, on voit qu'il y a des choses du passé qui vont revenir peut-être en rêve, qui vont vous aider. Hein, ça permet de certaines libérations. Mais cette carte-là, moi je vois ici un peu la poupée vaudou et je regarde le message. On dit effectivement qu'il y a des jalousies qui pourraient être aussi présentes cette semaine ou depuis un moment. Donc vérifiez, attention ou protégez-vous, les amis Gémeaux. Si vous voulez avoir des rituels de protection, vous pouvez les voir sur mon autre chaîne qui s'appelle Divination et Rituels. Peut-être sur laquelle je vais devoir changer hein, si celle-ci reste bloquée. Parce que justement, on fait des rituels de blocage et par une certaine personne que vous connaissez. C'est malheureux. Mais allez voir si vous sentez qu'il y avait il y a des blocages chez vous ou que vous sentez des énergies comme ça. Sur cette chaîne, j'ai partagé beaucoup de vidéos au début. Un petit peu moins, j'ai pas eu de temps de rituel de protection. On commence votre tirage. On a déjà ces énergies. On va voir ce que nous dit la suite pour cette semaine, les amis Gémeaux. Gémeaux, semaine du 10 au 16 avril. Gémeaux, semaine du 10 au 16 avril. 10 au 16 avril pour les Gémeaux. Gémeaux, 10 au 16 avril. Quelle énergie pour les Gémeaux. Ouais, elles ont de la peine à sortir. Hein, comme s'il y avait un peu de peine à. Ou blocage. On va voir après au tarot. Égyptien, 10 au 16 avril. Gémeaux. Merci. Donc, c'est les cartes de l'oracle victorien, comme je vous ai dit. Bravo, quand même. Regardez, vous avez une très belle carte, la meilleure. Le soleil, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action,
et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. En même temps, c'est poétique. Bon, on fait des rêves. Rêve de choses du passé, de souvenirs, des jaloux, peut-être parce que vous allez vous lancer par rapport à un projet, si avec le soleil qui sera une réussite, ou que vous allez commencer, ou que vous allez être mieux. En tout cas, on nous dit, oui, passe à l'action avec conviction, et dans la matière, bâtis ton souhait. Donc, il y a un projet, il y a une idée à mettre dans la matière. Avec la conviction d'y dresser un palais, avec la conviction que ça va fonctionner. Il y a peut-être, à cause de ce projet, cette idée pour vous les Gémeaux cette semaine, cette jalousie que j'essaie de comprendre. Et puis, vous voyez votre tirage du mois d'avril, je peux vous conseiller que ça aussi pour vous aider. On va voir. Gémeaux, semaine du 10 au 16 avril. Gémeaux, semaine du 10 au 16 avril 2023. Gémeaux, 10 au 16 avril 2023, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, 10 au 16 avril. Donc bien sûr, vérifiez aussi si vous le voulez, votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme je l'ai dit. On y va. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine pour vous? Le diable, ouais, il y a des énergies particulières. Hein. C'est très opposé, le soleil, c'est lumineux, ça porte ses fruits. Le diable, étonnamment, on parle peut-être justement de passion à réaliser. Là, je ne vois pas forcément un attachement, une dépendance, à moins que vous soyez attaché fortement à une situation que vous ne voulez pas perdre. C'est possible aussi, hein, mais elle est positive. Là, la carte, l'attachement, la dépendance, je le vois plus aussi comme une énergie forte ou passionnelle qui pourrait correspondre au soleil, quelque chose de créatif que vous allez faire. On va voir. Ouais. Si c'était vraiment le cas que vous voulez faire, concrétiser, réaliser, l'empereur, là, il est en contre. Donc, est-ce que c'est là qu'on vous met un blocage? Il y a peut-être une passion. C'est vraiment qui correspond à quelque chose que les gens savent que vous voulez faire ou que vous voulez être, auquel vous êtes très attaché, auquel très fort au niveau énergétique. Et puis l'empereur est en contre qui nous dit justement on vous bloque. Parce que l'empereur, c'est celui qui fait tout pour arriver à un objectif et réussir. Là, on vous fait, il y a un blocage. Et cette situation avec la maison Dieu en dominante nous dit que ben, y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va se casser, qui va pas fonctionner. On vous bloque. Il y a quelqu'un qui est pas bon là. Hein. C'est protégez-vous. Je suis là pour vous conseiller aussi. Donc, je vous invite à aller regarder ma chaîne. C'est pas pour me faire des vues parce que je suis pas encore monétisée sur cette chaîne. Donc, je m'en fiche. Mais la maison Dieu nous dit soit un coup de foudre. Ok, dans vos rêves, mais moi je suis là plutôt dans l'énergie de construction de quelque chose avec le soleil, où on vous jalouse et on vous empêche de réussir. Il pourrait y avoir de la magie sur vous, parce que là, ce que vous avez envie de faire s'effondre, cassure, comment dire, blocage inattendu, impossibilité de création inattendu, qui vous tombe sur la tête, qui nous tombe dessus et qui ne nous permet pas de réaliser ce qu'on a eu besoin de réaliser. C'est très embêtant. Pourtant, on voit quand même que là, il va falloir avancer. Donc, peut-être vous allez voir que ce que vous vouliez faire ne marchera pas. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, il faudra vous libérer de ça. Vous allez avancer et vu que quelque chose se termine, en tout cas, ce que vous vouliez faire, je pense, passionnel, va devoir être remplacé. Donc on coupe et on prend une nouvelle voie avec le chariot, on avance quand même. Pour pas que ça se reproduise, il faudra faire un nettoyage. Donc ça peut aussi être pendant la nuit, hein, il y a quelque chose en rapport. Je vais voir la synthèse ici pour vous.
Tirage assez intrigant. Alors, beaucoup ne croient pas à la magie, croient pas au mauvais sort, mais moi je vous garantis que c'est vrai. Parce que moi j'en ai des rituels qui sont faits sur ma chaîne. Je trouve ça tellement moche, des personnes qui osent faire ça, que je vous le dis. Alors, 15, 31, 31 et 4, 35, 42, 6. Le choix, il est sorti presque partout. Ben oui, vous allez avoir un choix à faire. Ce que je voulais faire ne marche pas, donc je choisis un nouveau chemin qui va avec le chariot pour pouvoir avancer. Je devrais arrêter et couper avec une situation pour soit un déménagement. Hein, le chariot, c'est j'avance, je change d'endroit. Un déménagement, un changement de lieu de vie, c'est la même chose. De travail, je voulais dire. Il y a quelque chose comme ça, il va falloir avancer. Et vers, bien sûr, une situation positive, c'est votre chemin de vie, c'est votre chariot de vie, c'est votre destin. Voilà, donc bonne semaine, mais il y a des jaloux autour de vous. Faites attention, protégez-vous bien. Écoutez mes conseils à Mamie Sandra. Et merci beaucoup pour vos commentaires de retour. Je me réjouis de vous lire. Belle semaine, à bientôt. Au revoir.